Le texte suivant est de l'historien Michel Soukart. Suivez attentivement ses analyses. Soyez surtout objectif. Bloquer le fonctionnement de l'État est toujours un acte de désespoir des masses. C'est le spontanéisme des masses aveugles, non une vision politique. La prise du pouvoir exige consensus et légitimité. La politique en tant que science ne croit pas à l'arbitraire. Encore moins à l'aventurisme et au vandalisme, Jovenel ne tient pas par ce qu'a l'International après lui, mais bien plutôt parce que la majorité silencieuse rejette l'opposition. C'est une évidence déterminante mise au jour aux yeux de tous les spectateurs qui ont visionné Écoute la haine du grand public contre André Michel il y a quelques jours lors de son passage à télé. Métropole. Les gens ne restent pas chez eux parce qu'ils suivent les mots d'ordre de l'opposition, mais parce celle-ci est si faible qu'elle recourt à l'usage de la contrainte terroriste et de la dictature populaire pour affronter un pouvoir qui n'a rien en main. Tout bon politologue ou analyste lucide doit bien pouvoir répondre à cette question éminemment importante, comment un président aussi bête et impopulaire que Jovenel tient et il face à tous les assauts. La réponse est pourtant claire. Elle est idéologique ou diacritique, c'est-à-dire que dans l'apostrophe imaginaire collectif, l'opposition est encore plus impopulaire que Jovenel, Michel Sisson. Mieux que toi et moi sait parfaitement bien qu'en Afghanistan, le président Hamid Karzai gouvernait seulement la Moïse de la capitale. Il a été relou en Afghanistan, au Nicaragua. Face à un an de protestation, 3000 étudiants fusillés et autant de mis en prison, Daniel Ortega tient toujours. Sans argent, sans discours, totalement seul avec sa garde prétorienne. Jovenel reste ferme à la barre. C'est parce que sauf hater aveugle, tout individu lucide se rend à l'apostrophe d'évidence que l'opposition est prise en otage par ses pillards et s'est râpé à coca comme Aristide en 2003-2004. On ne tardera pas ce mois-ci à avoir la réponse historico-politique à ce populisme de chaîne, le recours à un québécois ou l'international. Yo, je compte très bien qu'est-ce qui met cette situation. C'est ambassade américaine. Mais ça que fait, on parle de l'ambassade américaine directement. Nations Unies, corps groupe, pas rien dans ces actions ambassade américaine. Ça que fait, on parle de barricade devant l'ambassade américaine, empêcher l'ambassade américaine, employer l'ambassade dans le travail. Ça que fait, c'est parce que tabac vide l'huile. Pour qui ça, c'est bien haïtien à craser, c'est tout le monde haïtien à empêcher à l'école, c'est la vie haïtien à tuer. Je ne pas faire. Parce que je connais. Les Américains se mettent tout. Ce n'est pas seulement Jovenel qui le met. Et puis, il y a des madames, des petites, qui sont américains. Donc, on a des Américains qui ont déporté au bain. Ils ont même tout, ils ont des résidences. Là, dans la poche, ils ont des visas pour la plupart. Et ça, c'est pas fait. Donc, pour qu'ils soient abandonnés, c'est bien Haïtien qui a choisi. C'est Haïtien qui a empêché le travail. C'est l'État Haïtien qui a menacé à le fermer. On ne peut pas foutre à le bout de la route de l'ambassade là. On ne va pas mettre barricade pour empêcher l'ambassade de faire le travail. On ne va pas vider l'huile devant tabac. On ne va pas faire ça. Alors que nous connaissons très bien l'histoire montée, non. Que tout peuple qui est mené par des leaders sérieux, conséquents, responsables, c'est les ambassades américaines qui disent que dans les vues. Parce que vous connaissez que c'est là, bah, là. C'est pas quand un monde pareil, un citoyen pareil, vous avez crassé, non. C'est pas l'école là, quand vous avez fait menace, vous avez fait menace, non. Non, c'est pas ça que vous avez fait. Mais vous-même, Jean-Baptiste a dit, il y a eu courage. Je te dis le vrai courage, la sincérité. Tu te mets non combat vraiment pour le pays. Ce n'est pas pour le remplacer son président, puis le voler. Même si on fait déjà, sous privé, sous la valade, sous rival. Al camper devant l'ambassade américaine. Al bouler caoutchouc là. Al mettre barricade là. Pour empêcher l'ambassade de faire le travail. Avec tout attaché, tout employé. Le ça, même si c'est trop. Très occupé dans gérer bien dans cette institution pâle, et même pas caché d'où, la faut obliger pour une décision, parce que mon nio ici, t'as voué dire, faut fond gens, parce que nous pas capables encore, nous pas capables même travail. Alors c'est ça, oui, qui problème. Là, on a fait un monde,
qui veut les changements tout bon. C'est là affaire moun qui s'est poche à défendre. Je ne veux dire à moun qui est dans le même état, Jovenel Moïse, sans conscience, sans grandeur, sans hauteur. Jovenel Moïse, son cadavre politique. C'est vrai, mais Jovenel, son cadavre qui loue, qui est encombrant. Faut nous aménager nos structures pour nous capables de retirer le cadavre là. Lever le cadavre là, vous lancez une tête d'histoire. Et pour ça, il faut que nous soyons intelligents, pour nous suspendre, craser le pays, nous, alors que nous n'avons pas posé de problème dans les ambassades américaines. Donc, pour qu'il y ait un ennemi,